Bon, tu voulais voir des exemples de vieux systèmes, ben, je vais te montrer comment ça se passe avec un vieux BBS qui est toujours actif en ligne. Donc évidemment maintenant la connexion est beaucoup plus simple, il n'y a plus à faire de commande AT pour contacter. Avant, pour contacter un BBS, il fallait se taper le numéro de téléphone avec une commande type ATDT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Enfin le numéro de téléphone. Maintenant, on se fait ça avec un simple telnet sur une adresse IP et un port spécifique. Donc là, j'en ai trouvé un qui fonctionne toujours. Donc peu importe, c'est n'importe lequel que j'ai trouvé au hasard sur une liste. C'est vraiment juste pour faire un exemple. Donc sachant évidemment que tout ça fonctionne exclusivement en mode texte. Et on tombe sur des choses un petit peu comme ça, avec des menus textuels. Sont pré-remplis évidemment. Une password, j'en veux pas. Yes. Real name. Tout. What do you? C'est bon. Your city here. Donc ça c'est typique, hein, le fait de te poser des questions au moment où tu te connectes, etc. Un certain nombre d'informations qui apparaissent évidemment. Donc on te donne un certain nombre d'informations. Blablabla, 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 blablabla. Alors on va voir ce qu'on peut faire sur celui-là. Chose, rien title screen. Ok, pourquoi pas. Top 10 uploaders. Personne. Downloaders donc. Personne non plus. Les gens qui postent des choses dessus. Ah si, il y a quand même des gens. Bon, ils sont que 3, mais il y a des gens. Ok, donc il existe des choses, il existe des trucs sur la liste. Read mail. J'en ai pas évidemment. Browse for files. Private, 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 private. Donc je suppose que je vais pas avoir le droit puisque ce sont estampillés private. Donc typiquement, c'est jamais que du Minitel personnalisé avec un. Faut voir ça comme un site web qui fonctionnait sur Minitel à l'époque, quoi. Tout simplement. Système information, tiens, sur quoi il tourne celui-ci. Donc jusqu'en 89 sur une Atari 800 XL. Et un modem 9600 baud US Robotics. Donc très probablement le petit modèle en plastique noir avec le rond sur le côté. Alors, je me rappelle pas qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre. Lire les bulletins. Alors, est-ce qu'on avait quelque chose sur les bulletins? News du 7 septembre, on va regarder ça. Some of his files saw the late Pinoy code was late 1989. Ah oui, quand même. Donc, quand je te disais que les systèmes BBS c'était vieux.
Alors, comment on quitte la connexion G manifestement? C'est ça tout de suite. Are you sure? Yes, manifestement c'est ça. Tac 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 tac. Voilà, donc à l'ancienne, typiquement, il aurait fallu se taper la commande dans un terminal ATDT, enfin se faire un telnet sur le modem, taper la commande ATDT espace ce numéro de téléphone là, et après seulement on tombait sur le premier menu qu'on a vu tout à l'heure. Donc heureusement, maintenant on peut faire ça avec un telnet, c'est quand même beaucoup plus simple. Je vais essayer de regarder si je peux pas en trouver un deuxième. Est-ce que je vais trouver un deuxième exemple? C'est pas gagné cette histoire. Alors j'ai peut-être celui-là, mais je sais pas du tout s'il fonctionne toujours. Là j'y vais vraiment complètement au hasard. Oh, il fonctionne toujours. Fantastique. Donc avec les caractères ASCII et mode ASCII Art, on pouvait faire des graphiques un peu plus évolués quand même. Là, typiquement, c'est quelqu'un qui fait ça, justement. Your location, très bien. Donc, en mettant certains caractères en mode blink, il arrive même à faire de la petite animation. C'est juste énorme. Your birthday, tu veux remettre n'importe quoi, on s'en fout. Si, 1919, tiens, hop là. Pouvez-vous.org, on s'en fout. Du moins que le format respecté, ça va marcher. Random list file. Password. 1. Attends, de quoi tu réécoutes. Ok, très bien. Ah, il y avait quand même un petit contrôle de sécurité pour pas créer de compte bidon avec une demande de mail. C'était pas mal foutu. C'était pas mal foutu. Press escape to go back to menu, ok super, ah ouais c'était très bien fichu même. Là celui-là était quand même particulièrement impressionnant. Celui-ci est particulièrement joli quand même, hein. Il y a des belles animations, il y a des très beaux dessins. C'est juste du caractère tout ça. Ça a pas l'air, mais c'est que du caractère. Quand je comparais ça au Minitel, je me trompais pas, quoi. Donc on va regarder le readme. Vraiment plaisir de retomber là-dessus, c'est vraiment chouette quoi. Ouais, il y a quand même un peu d'activité dessus, hein. Il y a des fichiers qui ont été rajoutés, des choses comme ça. Ouais, c'est cool.
Windows aussi. Again. Working board. Welcome message. Très très bien. About. Bon, par contre l'aide il s'est pas fait chier, il y a vraiment que ça. Mais c'est quand même cool. One and read message. Je suppose que c'est le welcome message. Ok, c'était bien le welcome message. Account settings, door games. Ten colors, system built-in. Ah, il y a, ouais, il y a des choses cool là. Si je fais system built-in, d'accord, je reviens ici. Door games. Ok, apparemment, il n'y a pas grand chose. Ah, il y a un petit jeu de blackjack. Ah, super. On va faire en sorte que ça dure pas 2 heures, on va faire 500. Hit. Hit. Ok. Je parie 500. Stand. Bon ben, j'ai perdu, j'arrête là. Quit. Ah, il y a un joueur de 11 qui a joué il y a quelques jours. Ah, donc il est quand même actif ce BBS. Il y a quand même des gens qui se connectent régulièrement, manifestement. 11 août, 10 août, 6 août, 9 août, 13 août, 12 août, 17 août, donc ça c'est moi. 13 août, 10 août. Ah ouais, il y a quand même des gens qui se connectent. On peut faire un goodbye fast, il y a un chat, d'accord, ouais, c'est pas mal, ça fait vraiment plaisir de retomber sur des choses comme ça. Autant le premier BBS que je t'ai montré tout à l'heure était un petit peu naze, autant ça c'est vraiment l'ambiance des BBS d'époque, quoi, avec des beaux graphiques, des gens qui sont des vrais hackers, qui trouvent des idées pour dessiner avec des caractères, qui trouvent des idées de fonctionnement, des idées de menu. C'est limite des vrais micro-OS distants. Un peu comme si c'était des machines virtuelles, tellement c'est bien fichu, quoi, avec tous les menus qu'il y a, les bulletins, les systèmes de mailing, les petits jeux quand il y en a. Ah, ça fait vraiment plaisir de retomber là-dessus. Bon, de toute façon, je vais arrêter là la vidéo, parce que ça n'a pas d'autre intérêt que de te montrer que ça existe. Mais c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Ah, j'aurais pas pensé en retrouver qui fonctionne encore aujourd'hui, quoi. Surtout avec des gens qui se connectent tous les jours où il y a encore des connexions actives. Allez, à la prochaine !